merveille. Valérie Pompa Tikap la merveille. What up, JK? Hola, Freddy. Baby, girl, you're dangerous. Baby, you are dangerous. You are. Valérie Pompa Tikap la merveille. What up, JK? Hola, Freddy. Baby, girl, you're dangerous. Baby, you are dangerous. You are. Je voulais m'excuser, c'est pas un manque de volonté, comme on l'a dit Tito. On a roulé, on a essayé de rouler un peu plus vite. Et j'espère que, voilà, on est là, je suis là. Et, comme on l'a dit, vos questions, et moi j'ai les réponses. Voilà. J'ai créé la fondation Mieux Venir en 2013 quand j'ai regardé ce qui se passait à Beauvoir. À l'est de mon pays. Moi, je suis un Congolais, je suis né et grandi à Kiev. Je ne fais pas semblant, j'ai un passeport congolais. Pas d'étui sur par-dessus, donc j'ai un passeport congolais. Pas un Congolais masqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand je regarde, quand j'ai vu ça à la télévision, ça m'a donné envie de faire quelque chose. D'abord, j'ai commencé par enregistrer une chanson qui s'appelle Stop à la guerre, pour dénoncer ce qui se passait à l'est. Et ensuite, bien avant, j'ai aidé de manière, voilà, en plus on aidait, on essayait de faire des choses, mais pour officialiser mon aide, les gens m'ont conseillé, j'ai créé une fondation, parce que vous savez, nous Congolais, nous sommes un peu compliqués. Croyez-moi, quand je l'ai dit, en connaissance de cause, il fallait créer une fondation pour aider de manière officielle, pour ne pas avoir un jour des problèmes, genre, non, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il n'a pas droit. Je me rappelle, même quand je ramène l'ambulance à Kinshasa, pour ramener l'ambulance à Goma, c'était tout un problème. Parce qu'il fallait avoir des papiers, il fallait avoir des autorisations. Heureusement qu'on avait une fondation, sinon ça allait être compliqué. Cette ambulance est restée chez moi au moins 4 mois. Donc, pour moi, la fondation, c'est une façon d'aider officiellement. Et je ne pense pas que j'ai créé la fondation où j'ai fait ce que je suis en train de faire parce qu'ils nous ont interdit de faire des concerts. Non, moi je reviens des États-Unis, j'ai fait une tournée des États-Unis, je chante, je mange plutôt bien, mes enfants vont à l'école. C'est bien, je ne condamne pas ce que fait le combattant. Chacun a sa manière de faire ou de voir les choses. Mais sauf qu'il n'y a pas plus Congolais que les autres. Moi je suis né et grandi à Kiev. Donc si je dois aider le Congolais, je ne le fais pas parce que on me demande de le faire, ou on met la pression de le faire. Non. Non, je le fais parce que je pense que les Congolais ont besoin de gens comme nous qui ont la volonté d'aider. Aujourd'hui, j'ai aidé à Kisenso, j'ai aidé à Bandal. J'étais pas obligé de le faire. Donc je l'ai fait, mais vous voyez quand même, il y a des vidéos qui sont interdites de chanter. Vous voyez, donc on ne le fait pas parce que... Bref, voilà. La deuxième partie de ma question, c'est pourquoi avez-vous accepté de jouer aujourd'hui? Ah pourquoi? D'abord parce que je suis... Il y a l'interdiction de jouer en Belgique et vous savez quelles répercussions ça peut avoir. Ouais, en fait, si je comprends bien le message de vos frères combattants, ils ont interdit le concert. Concert live. Mais à ma grande surprise, des fois, je reste chez moi à la maison, je vois des gens qui chantent nos chansons. Chéri, finis quand on est dans des... À la maison dans des, non, pas à la maison. Vous voyez à la maison? Moi, je vois dans des Nganda. On appelle ça Nganda. Vous êtes Congolais? Vous connaissez Nganda? Tout ça. Ça veut dire quelque chose? Voilà, donc je vois des gens en train de chanter nos chansons dans des Nganda. Ils font des playbacks. Il y a changement de nuances. Ce soir, on ne veut pas des célèbres. Des célèbres. Il faut qu'il y ait... voilà, ça dit, soit ils disent on ne veut pas des gens célèbres, mais on veut des artistes qui sont, je respecte beaucoup mes frères artistes, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas célèbres, mais quand je vois, excusez-moi, je suis un peu bloqué, quand je vois il y a des gens qui chantent du live, ça passe, et mon frère me dit c'est pour une bonne cause, vous voyez frère, je respecte beaucoup, j'aime la Belgique, Bruxelles, j'adore, j'ai ma sœur, j'ai mes nièces, mes neveux ici, mais croyez-moi, je n'ai pas que ça à faire. Aujourd'hui, je pouvais être à Kinshasa ou à Los Angeles, je reviens, je suis venu juste pour ça.
Donc, venir ici soutenir, pour moi, c'est un projet noble. Il ne faut pas se voiler la face. On ne veut pas des Congolais, ça dit que tu es Congolais à l'intérieur, mais à l'extérieur, ce n'est pas trop ça. Non, on vient pour soutenir. Celui qui aime le Congo, il doit aider le Congo. Il ne faut pas faire semblant. Il doit, pour aider le Congo, il faut faire ce genre de choses. On arrive, on se met, on rassemble nos idées, nos forces, pour aider la population. Soit on veut aider la population, soit on veut continuer à faire semblant. Et par rapport à ça, je pense que nous aussi, on lutte pour la justice, on doit à un moment donné prendre une position claire et ne pas interdire de vivre, de faire leur activité première, de faire leur métier à des gens qui jamais n'ont été corrompus ou jamais ont fait du mal à notre pays. Au contraire, il vous l'a dit tout à l'heure, il ne fait que du bien. Alors je trouve ça injuste et moi je ne suis pas pour les gens qui condamnent certains dictateurs et aujourd'hui produisent la même chose que ces dictateurs. Depuis l'image physique. Ma question c'est celle-ci. Pourquoi des albums d'affilée? Pourquoi des albums? Parce que j'ai deux publics à nourrir. Moi, je ne vais pas dévoiler ma manière de faire parce que la compétition elle est là. Moi, j'ai envie d'être, c'est pas le numéro 1, le numéro 7. Donc, il faut que je garde moi, ma façon, ma vision à moi. Je pense qu'avec mes albums, moi, je sors deux albums. Justement, je sors un album un peu plus ouvert. Avec des collaborations avec des artistes. Et puis, il faut toujours nourrir ta base. Moi, je reste, comme je l'ai dit, tantôt, je suis congolais et quinois de Banda. C'est-à-dire que même, j'étais avec Arkeli, je lui ai dit Torcos, congolais, tout ça. Je viens de Banda, toi de Chicago, moi de Banda. Donc, on essaye de garder notre base. Donc, dans ces cas, je sors un album international pour essayer de. Ok, beau de la bande, on va faire un truc. Parce que je pense que la musique congolaise, elle est tellement riche, mais pas encore écoutée. On nous a pas encore donné la chance de. Les jours où on aura l'exposition, la chance de passer dans les radios. Aujourd'hui, vous allez voir tous ces artistes qui copient plus ou moins la musique congolaise. Mais il est temps que nous-mêmes, nous sommes des vrais soldats pionniers. De venir leur montrer, leur écouter, Ndombolo, Seben, Mabanga. J'ai même envie de traverser les Mabanga de l'autre côté. Mabanga, non, je rigole. Donc, de sortir deux albums, un album avec, pour gratter un peu le public européen. Et puis, je resterai toujours parce que je dois protéger ma place. Vous savez, la compétition, elle est là. C'est comme on dit Welcome to my kingdom, non? Donc, la couronne, elle est là. Il faut la garder. Pour la récupérer, il faut tuer le roi. Donc, le roi doit protéger son kingdom. Donc, je dois faire un album rumba pour toutes les personnes qui aiment la musique congolaise, les dédicaces, Kubina. Et puis, je ferai un album pour essayer d'envahir.